Salam, salam. Oui, bonjour Eliman. Eliman Watt. Oui, ça va et j'espère que ça va aussi de ton côté. Bonjour la famille, j'espère que la journée débute bien. Donc aujourd'hui, comme nous le savons, mercredi 23, plutôt mercredi 21 septembre. Donc le live de ce mercredi-là va se porter sur les points, comme vous l'avez vu, sur l'endettement. Oui, Eliman, donc alhamdoulilah, si ça va aussi, alhamdoulilah. Ok, donc le premier point, on va parler du cumul. Le cumul des mandats est à bannir. En deuxième point, on va parler de ce qui se passe depuis le début de l'installation de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ça reflète vraiment la méconnaissance du statut de député, selon moi. En troisième point, on va parler des alliés. Quand on parle des alliés, c'est en fonction des différentes coalitions, surtout celle de la majorité présidentielle, Bernard Bokouyaka. Et c'est vraiment ces aspects de coalition qui gênent toujours la gestion politique de nos États. Et aussi, on va venir sur le quatrième point, le sommet des Nations Unies, c'est-à-dire de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a démarré depuis hier. Après, on va parler aussi de la nécessité d'une force africaine après la sortie du président de la Guinée-Bissau, actuel responsable de la CEDEAO. On va parler de ça, ce sera autour de 5 points, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, nous dilen jaajeufal Babacar Gueye RFM ma ngi lay nuyu di la jaajeufal bu baakha baax. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ok, donc pour le premier point, on va démarrer avec le cumul des mandats. Donc c'est un débat qui est là hein, depuis l'installation. On en parlait, mais depuis l'installation ces jours-ci on voit que ça revient tout le temps. Maintenant il y a certains qui défendent cette idée-là de vraiment en finir avec le cumul des mandats. Et d'autre côté, d'autres vont nous divertir sur autre chose. Mais c'est plus une question de bon sens. Le cumul des mandats, c'est plus une question de bon sens. On ne peut pas être dans un pays comme le Sénégal où le taux de chômage est à 21%. Et ce taux-là ne cesse pas de grimper. Nous sommes dans un pays où l'emploi des jeunes pose problème. Nous sommes dans un pays où on a tellement de jeunes. Parce qu'on dit que 70% de notre population sont en âge de moins de 35 ans. Ça veut dire énormément de choses. Nous avons des jeunes qui ont étudié, qui ont des diplômes et qui souffrent à avoir un bon boulot, à avoir un job digne. Quand on parle de bon boulot, c'est un boulot digne qui peut te permettre de vivre dignement, qui te permet de subvenir à tes besoins, qui peut te permettre d'être utile aux siens. Et ça pose problème. On a vu que tous les États ont toujours failli sur la politique de jeunesse. Même les opposants sont contents à en parler. Plus souvent dans les plateaux, dans les discours, à l'approche des campagnes, ils nous disent oui, nous sommes un pays jeune et les jeunes sont toujours laissés en rade. Donc ils sont là à utiliser cet aspect-là dans leur politique. Ils nous disent que oui, les politiques de jeunesse sont un échec et nous sommes tous d'accord que de Abdou Diouf à aujourd'hui, toutes les politiques de jeunesse qui ont été initiées n'ont pas donné fruit ou bien n'ont pas été à la hauteur des attentes. Certes, avec Wade, on a vu que vraiment la question du jeune était une priorité, la question de jeunesse. Et il a eu à faire des actions sur ce côté-là. Mais on a vu que ça n'a pas donné. Avec le paysan Macky Sall, on a vu l'AMPEJ, on a vu le FONJIB, on a vu la DIA, on a vu toutes ces politiques étatiques-là, mais qui n'ont pas porté parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste, qui laisse à désirer. Maintenant, avec le nouveau gouvernement, quand on a vu que le ministère jeunesse, emploi et entrepreneuriat a été combiné, les gens ont salué parce qu'on a dit c'est ça qu'on a dit. Parce que pour prendre en considération l'aspect jeunesse, c'est pas juste le loisir, c'est pas juste l'espoir, c'est pas juste les questions d'association, c'est plus que
les questions de définir l'avenir des jeunes. Et pour définir l'avenir des jeunes, nous, on a besoin des jeunes qui sont utiles, des jeunes qui sont capacités, des jeunes qui vont travailler pour être utiles à leur société. Et ces jeunes-là ont toujours des problèmes de formation. Et on a vu que, oui, de plus en plus, on a des bourses de formation pour les jeunes. De plus en plus, on capacite les jeunes dans des formations pour des projets, pour des gestions financières, pour des gestions d'entreprise. Tout ça est à saluer. Et même si la promotion de l'auto-emploi a été faite avec avec les accompagnements qu'il fallait, ça reste toujours, ça n'absorbe pas le gap. De l'autre côté, les gens nous disent que ce n'est pas à l'État de donner des emplois. Mais oui, l'État a la responsabilité de veiller à ce que les jeunes aient des emplois. On ne peut pas être dans un pays qui est comme ça, où la réalité est ce qu'elle est. On sait que les jeunes peinent à avoir un boulot décent, peinent à subvenir à leurs besoins, peinent à s'affirmer. Ce n'est pas dans ce pays-là où on va accepter qu'on parle de cumul de mandat. Nous avons une population jeune. Regardez le champ politique actuellement. Même si on a parlé de l'alternative générationnelle, on a parlé du fait de rajeunir la classe politique sénégalaise, même s'il y a certains qui sont là toujours à s'accrocher, on a vu qu'il y a de nouvelles têtes. On a vu qu'il y a de nouveaux hommes. On a vu qu'il y a de nouvelles femmes qui sont là pour porter la voix des jeunes. Et ça, c'est à saluer. Et qu'est-ce qu'on voit pour ces jeunes-là? Ce sont des jeunes qui ont fait les écoles, ce sont des jeunes qui ont étudié, ce sont des jeunes qui ont eu des expériences un peu partout. Et qu'est-ce qu'on veut faire de ces jeunes-là? Maintenant, on ne peut pas se permettre dans un Sénégal comme ça, dans un pays comme ça, de faire promouvoir le cumul des mandats. On ne peut pas dire que, oui, même c'est même pas normal, c'est même pas normal, et c'est même indécent à la limite. C'est même indécent à la limite de se voir être en responsabilité de deux ou trois postes de responsabilité et être comme ça, en gaillement fier de ça, alors qu'à côté, il y a des jeunes qui sont plus méritants, même parfois que vous, qui sont là à chômer ou bien qui sont là, qui n'arrive pas à accéder à des instances de décision, et toi tu es là. Et ce qui est pire dans ça, c'est que depuis des années, ça fait partie des campagnes politiques. Les politiciens nous disent oui, il faut arrêter avec le cumul des mandats. Oui, les postes de responsabilité, on peut avoir deux à trois postes de responsabilité à gérer en même temps. Même c'est une question d'efficacité. Oui, c'est pas du bon sens et on peut pas être efficace comme ça. Quand on connaît c'est quoi un poste de responsabilité, quand on est conscient de ce que demande chaque poste de responsabilité, on ne peut pas cumuler. C'est impensable même. Une personne sérieuse, bien réfléchie, consciente, qui te dit que oui, je peux cumuler deux postes, voire trois postes de responsabilité, ça c'est de n'importe quoi. Ça c'est pas respecter les Sénégalais. Et c'est pas de ça qu'on veut, et c'est pas de ça qu'on attend de la classe politique actuelle. On a du plus de jeunes aux instances de décision. On a du plus de jeunes au pouvoir. Ce n'est pas pour que ces jeunes-là se permettent de cumuler des mandats. Il faut penser aux autres. Ça veut dire que quand on sait c'est quoi un maire, tout le monde avait dit oui, il nous faut changer le processus de vote d'un maire. Les gens ont fait en sorte que quand on vote, on sait que oui, on a voté pour une personne. Ça veut dire que la personne qui est le maire, qui a été dans les listes, savait que si sa liste passe, cette personne serait maire. Et quand on est maire, on a tellement, tellement de choses à gérer dans ce pays-là. Regardez nos communautés locales, regardez nos communes, regardez les territoriales. Et dans ces conditions-là, il y a tellement de choses à faire. Et comment on peut penser même être efficace en tant que maire? Amener les réponses qu'il faut aux populations qui vous ont élues. Hein? Régler le quotidien de ces populations-là. Changer le cadre de vie. Gérer les écoles. Gérer les postes de santé. Aller chercher des ressources externes pour le développement local. Et on peut dire que dans cette condition-là, où ils sont tout le temps là à nous dire que oui, les 9 compétences transférées, on n'a pas les compétences qu'il faut, nous n'avons pas les prérogatives, ne nous permettent pas ceci, ne nous permettent cela. Au lieu d'aller se pencher sur ça, vous pensez pouvoir cumuler ça avec un autre poste de responsable? Ce n'est pas sérieux du tout. Et on attendait de vous, sincèrement parlé, on attendait de vous qu'au moment arrivé, vous soyez en conséquence. Si on dit qu'on veut le changement, c'est rien qu'un changement de comportement.
On ne peut pas vouloir incarner l'alternative. On ne voudrait pas qu'on répète les mêmes choses. Ça veut dire quoi? Nous sommes là, nous nous dites que nous sommes l'avenir de ce pays-là. Donc nous sommes là, nous sommes prêts à nous battre, nous sommes prêts à défier tout ce qui est devant nous juste pour que les choses changent. On ne veut plus que les inégalités persistent. On ne veut plus que le Sénégal soit ce qu'il est. On ne veut plus cette élite aristocrate qui est là. On ne veut plus qu'un camp s'accapare de tout. C'est ça qu'on s'était dit. En bas campagne, les Sénégalais font confiance à cette notion de changement. Donc il faut être conséquent. On peut aussi accepter que ceux qui incarnent cette rupture-là fassent les mêmes choses que ceux qui étaient. Et on ne peut pas utiliser cet argument que nous ne sommes pas les seuls. On a vu ce qui a bloqué le premier jour de l'installation de l'Assemblée quand on disait que oui, l'incompatibilité. Que oui, les ministres ne peuvent pas siéger parce que la loi ne les permettait pas. De même manière, les hauts fonctionnaires de l'État ne peuvent pas faire ça. Et ceux-là, quand ils étaient sur les listes, étaient conscients que si leur liste passe, s'ils sont élus députés, ils seront dans cette position-là. Et les meilleurs députés, on a fait quoi? Maintenant, on va être, oui, sévère avec les ministres, oui, parler des hauts fonctionnaires de l'État. Et les ministres, et les maires députés, on a fait quoi? On laisse passer? Non, ça peut pas passer. Quand tu es maire, il faut choisir être maire et être député. Parce que l'élu, c'est quoi? Tu as un mandat à mener. On peut mener deux mandats avec des prérogatives, avec des dimensions aussi capitales que ça et vouloir les cumuler. Ça veut dire qu'on ne va pas être efficace. Ou bien on va déléguer, laisser les autres travailler à notre place. Et ça, on ne veut pas de ça. On veut savoir qui est à la tête de chaque chose, qui est là pour décider pour notre devenir. Ça, c'est important. Donc, ce qu'ils disent, oui, c'est pour nous divertir, c'est un faux débat, c'est comme je disais l'autre jour, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et il est temps qu'on se départisse de cette malhonnêteté intellectuelle. Nous voulons quoi? On ne peut pas vouloir le changement et son contraire en même temps. Il faut se départir de toutes ces pratiques-là. Ça ne nous aide pas, ça ne nous fait pas grandir. Si on veut que le Sénégal change, on doit être conséquent dans nos comportements. Chaque maire ou chaque député qui a deux postes de cumul, maire et député, doit se départir de l'un des mandats. Ne serait-ce que pour le bon sens, ne serait-ce que pour être en phase de ce qu'on incarne. On peut être là, dire que nous voulons le changement. On peut être là, pointer du doigt au gouvernement, à l'État du Sénégal. On peut être là, à crier sur tous les toits que le cumul de mandats doit cesser et accepter ça pour certains. Non, non. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, est bon. On peut être utile partout. Il faut faire un choix et savoir laisser les autres avoir leur chance. Et moi, je me dis que comment des jeunes peuvent foncer comme ça? C'est ça qui fait mal dans ce pays-là. Comment un jeune peut penser que il est là, on lui a fait confiance, et après, au fur et à mesure, il est là, tout ce qu'il avait dit là, c'est du passé. C'est cette politique-là, on n'en veut plus. Il faut se départir de ce type de politique qui fait qu'on a les mêmes pratiques, rien ne change, à part le discours. On ne veut plus de discours, on veut des actions, des actes concrets. Le discours-là, non, non, on n'en veut plus. Et chaque personne qui dit quelque chose doit être en phase de matérialiser ça dans les actions. Donc, pas de maire député, on n'en veut pas. Pas de fonctionnaire député, on n'en veut pas. Et ça, je pense que la loi l'a réglé. Jusque c'est au niveau des maires et des députés où ça pose problème. Et même, comme on le dit, on est là à dire, oui, il y a Eliman Wade qui dit oui, le cumul des mandats doit être banni dans un état pauvre comme le Sénégal. Oui, c'est ça mon inquiétude, Eliman. On peut être dans un pays comme le Sénégal où la précarité est extrême. On le vit au quotidien, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le dise ou pas. Chacun sait que c'est difficile. Surtout avec la crise sanitaire qu'on a vécue à partir de 2020, avec la crise économique que vit le monde, on ne peut pas se permettre jusqu'à présent de continuer à cumuler des mandats alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont autant compétents que vous, qui sont même parfois meilleurs que vous, parce que parfois, n'oublions pas, hein, que parfois c'est la politique qui fait passer certains au détriment d'autres beaucoup plus compétents et efficaces. Même un bon esprit. Un bon état d'esprit ne devrait pas pouvoir permettre ça. Donc ça, on partage ça, Eliman.
Oui, PDG, merci à toi aussi. Et beaucoup de chômage, oui, Eliman, c'est ça, le chômage. On ne peut pas 21% taux de chômage. Et ça, c'est juste le chiffre officiel. Mais officieusement, combien de jeunes sont en chômage? Le sous-emploi, on exploite les jeunes. Les jeunes sont formés, ils sont là, ils travaillent pendant des années hein, pour quelqu'un sans contrat, aucune sécurité sociale. Tu n'as ni IPM, ni rien. Même quand tu es malade, tu ne peux pas te soigner. On te soigne pas. C'est toi-même qui te débrouilles pour te soigner. Et quand tu t'absentes, on te renvoie ou on te sanctionne. Et dans tout ça, là, on se permet de cumuler des mandats. Ça, ce n'est pas conséquent. Et ce n'est pas sérieux. Il faut que les hommes politiques soient plus sérieux dans ce qu'ils font. Il faut que nos élus, là, parce que si on a confiance, on a dit quoi? On a dit oui. Maintenant, on ne veut plus de ce type de politique. On en a assez depuis 1960 à nos jours. Rien n'a changé concrètement. C'est les hommes qui changent, mais les choses restent les mêmes. Donc, pour que ça change, il faut que nous soyons d'abord le changement. Que chaque homme politique, ou chaque femme politique, ou chaque jeune sénégalais soit le changement lui-même, en commençant par matérialiser ses convictions. Parce que dès que moi, je suis convaincue que tout un chacun est engagé. Mais le problème, c'est de matérialiser cet engagement-là. Le problème, c'est de se surpasser, aller au-delà des choses-là. Ça veut dire que, oui, on s'était dit, on a battu campagne sur ce fonds de cumul de mandats. Donc, il faut qu'on se départisse de ça. Même si la personne concernée ne veut pas s'acquitter de ça. Il est dans une organisation politique, que l'organisation politique prenne ses responsabilités. Même si on sait qu'avec les coalitions là, même si tu démissionnes de ta coalition, tu ne perds pas ton mandat, mais il y a d'autres manières de le montrer. Sortez, faites des communications, dites que oui, hein, le parti ou la coalition n'est pas d'accord avec le cumul de mandat. Donc tout député qui garde son mandat de maire, le fait contre notre accord. Ça règle le problème. Maintenant, les Sénégalais ne sont pas malades. Les Sénégalais sont tellement informés, tellement maintenant conscients que même s'ils disent rien, ils savent, ils savent qui est qui. Et on ne peut pas continuer à nous berner comme ça. Et il ne faut pas être hypocrite aussi. Et aller venir nous dire, non, ils nous divertissent pour le cumul. On ne divertit pas. On veut que vous soyez conséquents. On ne vous demande que ça. On est exigeant avec tout le monde. Quand on fait des promesses, quand on bat campagne sur des fonds, sur des questions aussi capitales que ça, il faut qu'on soit conséquent. C'est ça qu'on vous demande. On ne veut plus de cumul de mandats. Il faut penser plus grand que ça. On ne peut pas cumuler des postes de responsabilité. C'est quoi un député? Tu es un représentant du peuple. Tu es là pour veiller aux préoccupations premières du peuple. Tu es là pour contrôler et veiller sur l'action du gouvernement. Tu es là pour épier toutes les politiques pour voir les failles, là où il faut remédier, qu'est-ce qu'il faut faire à un tel moment ou autre. Comment on peut penser cumuler ce mandat de député avec le mandat d'un maire, alors que tous les deux mandats sont tellement importants et sacrés? On peut être utile dans les deux camps. Et on veut plus de délégations qui gèrent. Ça veut dire que oui, tu es maire, tu as le titre de maire, mais tu ne travailles pas, tu désignes quelqu'un qui travaille à ta place. On ne veut plus de ça. Parce que le jour où on va rendre des comptes, et on est dans un Sénégal où maintenant tout le monde va rendre compte, on ne veut pas d'excuses pour nous dire que j'étais pas là, j'étais occupé par telle chose ou telle là, c'était l'autre qui gérait. On ne veut pas de ça. C'est lui que chacun fait son choix. On salue le choix de Birim Souley Diop. Il a choisi son mandat de député parce qu'il pense que pouvoir être plus utile dans cet hémicycle-là. Et ça, on salue. Maintenant, il reste à aussi choisir entre son mandat de député et son mandat de maire. Ça aussi, on l'attend. De la même manière, on attend du maire de la capitale de Dakar qu'il fait son choix entre son mandat de député et le fait d'être maire de la capitale du Sénégal. On ne peut pas être maire du capitale du Sénégal. On sait ce que Dakar est actuellement. Un pays une capitale qui demande beaucoup d'efforts. Un capital qui est comme ce qu'il est, même si on voit les efforts qui ont été faits. Dakar demande beaucoup de travail. On peut être le maire du capital et pouvoir aussi aller siéger, aller dans les commissions, faire le tour du pays, aller régler d'autres questions. Non, non, il faut se concentrer sur un problème à la fois. Donc, Monsieur Barthélémy Diaz, nous attendons aussi de vous que vous faites votre choix. Soit la mairie de Dakar, soit
votre mandat de député. Ça, c'est important. Et on ne veut pas aussi qu'on fait une loi comme on dit, en poids de mesure. Oui, si c'est l'opposition, on dit rien, on laisse passer. Et si c'est le pouvoir, on est là à se dire non, on ne veut pas de ça. On ne peut pas être tolérant avec un camp et être plus exigeant avec un autre camp. Si on veut que les choses changent au Sénégal, il faut que tout le monde soit égal devant nous. Parce que n'oublions pas que tous les Sénégalais sont en égale dignité. Donc, on ne peut pas accepter tolérer pour certains et ne pas tolérer pour d'autres. Donc, ça, c'est important. Le cumul des mandats, on va en parler. Désolé, vous ne pouvez pas nous faire fermer la gueule comme ça parce que juste que ça vous dérange. On va en parler et on va en parler encore. Et on a vu ce matin, tout à l'heure, il y a le député de Saint-Louis, Abba, qui faisait appel à réfléchir sur les statuts du député. Lui, parce que c'est après le verdict du tribunal de Dakar sur le cas Patrick. C'est important. Et je vous invite que les députés, que les élus municipaux puissent réfléchir, se pencher sur les statuts et leurs prérogatives. Vous parlez de sécurité, mais il y a plus important que la sécurité. Oui, nous devons vous sécuriser, comme on sécurise les députés avec une immunité parlementaire. Oui, quand on vous agresse, le peuple doit être avec vous pour vous protéger. Et les institutions doivent vous sécuriser. Ça, nous sommes d'accord de ça. Mais de la même manière que vous pensez à votre sécurité, de la même manière, pensez à l'efficacité de vos charges et de vos responsabilités. On doit vous sécuriser, le peuple doit vous sécuriser. Les statuts est à revoir, mais aussi pensez à vos prérogatives. Pensez aux attentes que les Sénégalais ont de vous. Pensez à ce que nous attendons de vous et pensez vraiment à rendre compte, c'est important. On ne veut pas un poids, deux mesures, on ne veut pas une loi pour la majorité présidentielle et une autre loi pour l'opposition. Non, nous tolérons plus ça. Et vous l'avez dit, vous le répétez chaque jour, à chaque fois que vous êtes dans vos allocutions, vous dites ça. Rien ne va plus être comme avant, les choses vont changer et nous sommes convaincus. Et les Sénégalais ont décidé que les choses vont changer et vous allez voir ça. On ne va pas vous tolérer quoi que ce soit, de la même manière, on ne va pas tolérer quoi que ce soit au pouvoir. On est dans l'urgence. On va agir avec urgence, mais avec intelligence. Le cumul de mandat, on ne veut plus de ça. Le statut du député est à revoir. Le statut des élus est à revoir, celui du maire. Donc, oui pour votre sécurité, mais aussi oui pour plus d'efficacité. Donc, choisissez par rapport à l'un des mandats pour ceux qui sont dans ces conditions-là. C'était ça avec le premier point. Donc, pour le deuxième point, je parlais de cette méconnaissance et ça va toucher un peu le statut du député. Méconnaissance du statut à l'Assemblée nationale. Oui, nous ne pouvons pas tout le temps être là. Oui, nous ne pouvons pas toujours être là. Parce que moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans un pays où on ne comprend plus absolument rien du tout. Moi, je me dis, quels sont les hommes et les femmes qu'on a dans les différentes structures étatiques ou institutions? Et quand vous êtes là à parler des institutions au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé. On a vu la force des États-Unis, c'est quoi les institutions? Même à un moment, on nous dit que les hommes passent, les institutions demain. Ça veut dire quoi? Que les institutions sont plus importantes que les personnes qui les incarnent. Les institutions sont plus importantes que les personnes qui les incarnent. Et dans ce cas-là, on ne peut pas accepter qu'on décrédibilise nos institutions. Ça, on n'en vaut pas. Parce que tout le monde souffre de l'exécutif. On est là à se plaindre de l'exécutif. Oui, l'exécutif ceci, l'exécutif cela, les pleins pouvoirs, ceci, cela. Maintenant, qui est en contre-pouvoir par rapport à cet exécutif? C'est le législatif. Comment on peut jouer avec une institution telle que l'Assemblée nationale? Et ça revient au choix des hommes et des femmes qu'on met sur les listes. Et ça revient sur le problème de la pratique politique sénégalaise. Parce que c'est les hommes et les femmes qui sont sur les listes, malheureusement, qui vont être à l'Assemblée nationale une fois que les listes passent. Et il est temps de revoir ce choix-là.
Cette statue du député, sur quoi d'abord être un député? De quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'un député? Quelles sont les prérogatives d'un député? Qu'est-ce qu'un député doit faire ou pas faire? Si on est là à se plaindre de l'exécutif et on se comporte mal à l'Assemblée nationale, ça pose problème. Ce qui s'est passé à l'installation, jusqu'à présent, on a du mal à avaler ça. C'est tellement indécent et indigne d'un pays comme le Sénégal où on dit que nous sommes un pays de grande démocratie, nous sommes un état de droit, on a connu de l'alternance, nous sommes un peuple mature. Le peuple sénégalais est plus mature que les hommes politiques. Malheureusement, c'est la réalité. Les Sénégalais savent élire, choisir, dire, donner leur avis. Mais malheureusement, les hommes politiques sont dépassés par les choses. Parce qu'on ne peut pas, après ce qu'on a vécu avec les deux législatures passées, promettre un changement avec cette nouvelle législature et persister dans les faux départ. Le lundi, on a un faux départ. Le mardi, on a un faux départ. Hier, on a eu aussi un faux départ. On convoque à 10 heures pour finir à 19 heures pour arriver à mettre en place les commissions à partir de 19 heures. Déjà, de 10 heures à 19 heures, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Et on dit que le lundi était laissé à côté. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se trouver dedans. Pour qu'ils puissent s'arranger et faire les derniers réglages. Et on voit que jusqu'à présent, c'est des querelles de bonne fontaine qui se font à l'Assemblée nationale. Où est la rupture dans tout ça? La rupture, c'est quoi? Je le répète, ce sont des comportements à adopter. C'est le changement en soi-même d'abord. Je refuse de faire les mêmes pratiques que ceux qui étaient là. Je refuse de nourrir les mêmes polémiques. Je refuse, c'est ça. Mais ce n'est pas de montrer qu'on est fort, ce n'est pas de montrer qu'on peut injurer, qu'on peut bloquer un processus. Qu'est-ce qu'on gagne quand on bloque le processus de l'Assemblée nationale? La deuxième institution du Sénégal, qu'est-ce qu'on gagne à bloquer cette institution qui doit faire son boulot normalement? Quand on bloque cette institution, ça veut dire qu'on bloque le législatif. Et si on le bloque, quel est votre rôle là? Quand on dit oui, vous devez gérer, vous devez veiller, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes bloqué? Il faut qu'on aille au-delà de certaines considérations. Qu'on ne va plus se regarder de pouvoir opposition, l'autre regarde celui-là comme le genre de Macky, le gars de Macky, l'élément de Macky, l'autre va regarder l'autre comme l'élément de Sonko ou l'élément de Wade. C'est ça, hein, la réalité. Chacun regarde l'autre en fonction de son camp. Parce que tout le temps, ce qu'on reproche aux paysans de la République, on est là à dire oui. On ne veut plus de paysans chefs de parti. On le dit, on le répète. On ne veut plus de président chef de parti de la même manière. On ne veut plus des élus avec des colorations politiques. On ne veut plus d'élus avec des colorations politiques. Si on doit prendre position, on le fait en regardant le Sénégalais lambda. On le fait en pensant la réalité du Sénégalais lambda. On ne le fait pas en fonction de je suis de Yéhu, je suis de Wallou, je suis de Bernard Bokria. Ça, on ne va pas l'accepter dans cette nouvelle législature-là. Si vous ne connaissez pas votre statut, si vous ne connaissez pas quel est votre rôle dans cet hémicycle-là, nous serons là chaque jour à vous le rappeler. Vous, les députés de l'opposition, vous êtes là à dire que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous allez montrer à la majorité présidentielle, même si c'est une majorité relative, que ils sauront que vous êtes là, que vous allez le barrer la route, les choses ne vont plus se faire comme avant de la même manière. Sachez que vous aussi, que nous, les Sénégalais, qui n'appartiennent à aucun des deux bords, nous sommes là et nous vous avons à l'œil. Nous n'allons pas accepter aussi qu'on bloque une institution, ou bien qu'on va répéter les mêmes choses. Le changement, c'est maintenant. Et on va le faire et Inch'Allah, on ira vers le changement. On ne va plus accepter ça. Donc, connaissez votre rôle. Connaissez le pourquoi vous êtes là. Si vous ne le connaissez pas, allez faire des recherches. Demandez qu'est-ce qu'on attend de vos députés et mettez-vous au travail. Parce que le problème, ce n'est pas les commissions. Le problème, c'est le contenu des travaux qui se feront à l'intérieur de ces commissions-là. Le problème, c'est le contenu des travaux qui se feront à l'intérieur de ces commissions-là. Le problème, ce n'est pas de telle commission revient à telle commission revient à telle, mais c'est le travail que vous allez fournir pour les Sénégalais.
Si les gens se découragent de cette institution-là parce qu'ils ne font plus le job comme ils le devaient, donc vous qui incarnez la rupture, vous qui incarnez le changement, mettez-y dès maintenant. Montrez-nous que vous êtes prêts. Montrez-nous que vous êtes prêts. Comment en changeant de comportement? Les combats de rue, les bagarres de rue, les comportements de rue, on n'en veut pas à l'Assemblée. On veut des gens réfléchis, des gens sereins, des gens sereins. Des gens conscients des enjeux du moment et savoir qu'il reste 17 mois à ce mandat-là. Et ces 17 mois doivent être gérables. Regardez les yeux et regardez autour de nous ce qui se passe dans les autres pays. Dans un pays où les gestions ne marchent pas normalement, regardez ce qui se passe dans les autres pays. Et de grâce, vous avez la responsabilité à éviter ça au Sénégal. Vous avez la responsabilité d'éviter le chaos au Sénégal. Comment? En ne prêchant pas le désastre. Comment? En ne piochant pas dans les mauvais camps. On ne veut pas de ça. On veut un Sénégal debout. On veut un Sénégal fort. On veut un Sénégal où les institutions marchent, quelles que soient les lacunes. On aura toujours le temps de remédier. On aura toujours le temps de refaire bien les choses, mais de grâce, veillez à ça. Parce que si vous ne faites pas bien votre boulot, vous avez vu le discours du président le vendredi dernier, ça disait lourd. Parce que le discours là n'avait qu'un seul prétexte, c'est de dire aux Sénégalais, surtout aux députés, que si vous ne faites pas votre boulot, je suis là. Parce que oui, qu'on le veuille ou pas, il est le gardien de la Constitution. Qu'on le veuille ou pas, il est le chef suprême des armées. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est le garant de la nation. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui le premier Sénégalais. Qu'on soit avec lui ou pas, il faut savoir que nous sommes dans un régime présidentiel hyper puissant, où le président a les prérogatives et le droit d'agir en conséquence. Ne lui donnez pas cette occasion-là. Parce qu'on on le souhaite pas, mais le jour où ça va se passer, le Sénégalais va frôler le pire. Parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Ça va amener des situations aussi terribles que ceux de mars dernier. Donc, soyons responsables. Soyez responsables en tant qu'élus. Soyez dignes du mandat qui vous est conféré. C'est de ça qu'on attend de vous, des hommes et des femmes réfléchis qui vont agir que pour le Sénégal, pas pour des leaders, pas pour Sonko, pas pour Maître Abdoulaye Wade, même si on le respecte avec tout le respect qu'on lui doit, ni pas pour le président de la République. Vous êtes là pour le Sénégalais de Dakar, vous êtes là pour le Sénégalais de Saint-Louis, vous êtes là pour le Sénégalais de la Casamance, vous êtes là pour le Sénégalais de Kolda, vous êtes là pour tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Donc vous avez une responsabilité, vous avez des rôles à jouer et vous avez un statut à défendre. De grâce, veillez à ça et s'il vous plaît, départissez-vous de ces comportements de rue, de ces comportements qui sont indignes. Et arrêtez de nous dire que c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut que les choses changent au Sénégal. Et c'est possible. Et vous êtes là pour le prouver. On n'a jamais eu une assemblée nationale où 82 des voix reviennent à l'opposition. Et 83 pour le pouvoir. Et même le 83e a été anéanti. Ça veut dire énormément de choses. De grâce, cet acquis-là, il faut bien la gérer pour montrer que nous sommes un peuple démocrate. Nous sommes un peuple plus mature et vraiment déterminé à progresser. C'était ça par rapport au premier point. Oui, Moutala, mon frère du Niger, merci beaucoup. Ibrahim Diallo aussi, merci, merci beaucoup. De la même manière que Mina la battante, merci, toujours là. Et aussi Paul Kéré aussi du Niger, merci beaucoup. Donc c'était ça le deuxième point. Maintenant je vais parler du troisième point, les alliés. Hein? Les alliés, toujours un aspect qui gêne la gestion étatique. Au Sénégal, depuis des années, on sait que maintenant, on raisonne en fonction de coalition. Dans toutes les élections, les gens s'y vont en formant des coalitions. Et ça, c'est depuis Ouadan qu'on a commencé à matérialiser ça avec le FAL et tout le COP 21 et autres. Maintenant, nous sommes dans l'ère des, comme on le dit, des coalitions. On a vu que
Les coalitions sont très capitales maintenant et même nécessaires pour le fait d'élire un président, député, maire. Toutes les élections maintenant, on les fait en base de coalition. Maintenant, on va parler plus précisément de la coalition présidentielle, le Benno Bokoyaka. En 2012, on parlait du Benno Siguiri Sénégal, de Macky 2012. Après, ils se sont fédérés pour donner le Benno Bokoyaka. Et au fur et à mesure, cette coalition s'agrandit avec des alliés. Mais le problème du président Macky Sall, réellement, c'est le problème des alliés. Moi, je ne crois pas qu'un président ou bien un gouvernement peut être efficace en se basant sur l'aspect de quotas. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. On ne doit pas penser en fonction de quotas. Oui, c'est l'ère des grands ensembles. Oui, c'est l'ère des coalitions. Oui, on est d'accord. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison pour tout partager avec des quotas. Parce que si on a vu ce gouvernement, ce dernier gouvernement-là, le samedi, quand on mettait en place, on formait ce gouvernement-là, on a vu qu'il y avait un blocage. Jusqu'à vers les heures-là, ils nous ont donné rendez-vous, ils nous ont encore donné rendez-vous. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait du mal à communiquer le nouveau gouvernement? Après l'investigation de certains journalistes, on a vu qu'il y avait un blocage avec les alliés. Comment des alliés peuvent-ils se permettre de bloquer le processus de formation d'un gouvernement juste en fonction de quotas et de personnes? Moi, surtout quand on nous dit que c'est le PS, un parti aussi ancien que le PS, le parti de Senghor, le parti de Diouf, le parti du feu, Ousmane Tanodien, et le parti maintenant de l'actuel Aminata Meng et consorts. Des gens comme eux, qui ont été, depuis que le Sénégal a eu son indépendance, au nom de tout ce qui se faisait, comment des gens de cette envergure-là peuvent-ils être le petit d'esprit pour bloquer le processus de formation d'un gouvernement de crise, d'un gouvernement d'urgence? Ça montre toujours que les hommes politiques ont un problème réel dans ce pays-là. Même par patriotisme, même par solidarité d'urgence du moment, les alliés devraient pouvoir se taire, faire profil bas et dire au gouvernement, au président, que tu as la légitimité ou bien tu as notre feu vert, tu peux dérouler en fonction des besoins du moment. Parce que le gouvernement qu'on a mis en place devait être un gouvernement d'urgence, un gouvernement du moment pour résoudre les préoccupations majeures du Sénégal où maintenant c'est devenu compliqué. Mais dans un gouvernement où on est obligé de donner deux députés, de donner deux ministres au PS, de donner deux ministres à Rémi, de donner. Mais c'est cette idée-là de quota, de partage du gâteau qui fait mal aux gens. Parce que c'est comme ça qu'on le voit. Partage du gâteau. Certains, on leur donne des instructions. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Des instructions qui. On sent pas la nécessité de ces instructions. Ou bien on sent pas le travail que ces instructions font. C'est ce qui est dommage. Et maintenant, qu'on nous dit que oui, ces gens-là bloquent le processus de formation juste parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les personnes pour poser ça pose problème. Surtout le choix de ces personnes-là. Moi, je ne veux pas souvent parler de personnes parce que c'est petit, c'est mesquin de parler de personnes. Mais moi, je préfère toujours parler de concepts, pas de personnes. D'idées, mais pas de personnes. Mais c'est dommage de voir que les alliés bloquent. Et moi, je dis le problème majeur du paysan Macky Sall, ce sont ces élus-là. Si le paysan Macky Sall avait le courage de se départir de ces alliés-là, et de penser uniquement aux besoins des Sénégalais et de penser aux solutions qu'il allait apporter à ces besoins immédiats-là, on ne serait pas dans ces situations-là. Mais le fait de gérer des alliés à gauche et à droite pèse lourd sur la balance. Et malheureusement, le choix du président est toujours porté sur des personnes qui ne font pas l'affaire juste parce qu'ils font partie des alliés. Et c'est ça qui est dommage.
Parce que le critère fondamental de choix doit être les compétences, l'expérience, les profils. Profil. On doit penser en matière de profil, on doit penser en matière d'expérience, on doit penser en matière d'efficacité et d'utilité. Mais pas que PS doit avoir, REM doit avoir, AFP doit avoir. Ça, on n'en veut plus. Sincèrement parlé, on n'en veut plus. On est dans un Sénégal où on aspire à autre chose. On est dans un Sénégal où on veut faire un upgrade. On est dans un Sénégal où on doit aller de l'avant. Mais pas être dans ça. Oui, c'est l'ère des coalitions. Oui, on doit faire des coalitions. Oui, c'est normal que les gens qui participent à l'élection du président qu'ils puissent se voir dans le nouveau gouvernement. Mais pas que le choix des alliés bloque les processus. Pas que le choix des alliés fausse. Ou bien prime sur le choix des profils à mettre sur place pour le nouveau gouvernement. Il faut que l'élan de patriotisme prime vraiment, que ses alliés, s'ils aiment le Sénégal, s'ils sont aussi patriotes que ça, vraiment, après 10 ans de gestion, ils pouvaient vraiment laisser le président terminer avec ses propres choix. Mais ne pas être toujours dans le calcul de quotas. Parce que quand on parle de quotas, les Sénégalais, de manière générale, vont se dire, ils sont tout le temps là à se partager les choses. Même si, au fond, ça peut être différent, mais l'impression du dehors nous montre que, oui, ils se focalisent plus sur les questions de quotas. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça risque de ne pas finir avec le président Macky Sall, même s'il est en fin de règne, parce que c'est son deuxième mandat, et comme la Constitution l'a dit, c'est son dernier mandat, il faut savoir qu'il lui reste que 17 mois. Mais même le prochain président qui va venir sera aussi lui, sous fonction de coalition, vu que c'est le contexte actuel, les coalitions. Est-ce que lui aussi, il sera obligé de partager les postes de ministre et autres avec ses alliés, en fonction des profils, en fonction des expériences et des besoins des Sénégalais. Et ça aussi, vraiment, on doit trouver une solution par rapport à ces alliés-là. Parce qu'on a vu, même dans l'opposition, les alliances posent problème. Même dans l'opposition, vous voyez des alliés qui ne parlent pas le même langage. Vous voyez des alliés qui n'ont aucune idéologie. Même quand on voit le camp présidentiel, des libéraux, des socialistes, des trotskistes. Mais comme qu'est-ce qu'on peut sortir de cet emballage-là? Des gens qui n'ont rien en commun, des gens qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas la même idéologie, qui n'ont pas la même vision. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle coalition? De la même manière, dans la coalition de l'opposition, plus l'intercoalition, on voit des libéralistes, on voit des socialistes, on voit des communistes, on voit du tout. Et ça ne peut donner que la même chose. Donc, il faut que les responsables politiques commencent à penser dans ça. Quand on fait des coalitions, c'est en fonction des visions. Quand on fait des coalitions, c'est en fonction des idéologies. Quand on fait des coalitions, c'est en fonction des objectifs qu'on a en commun. Mais pas parce qu'on cherche des forces, pas parce qu'on cherche des voix, pas parce qu'on cherche à être populaire. Mais à savoir, c'est important de savoir avec qui avancer et comment avancer. Sinon, on peut être là à beau crier, même celui qui va venir après les 17 mois, là, le futur président de 2024, va avoir les mêmes problèmes parce qu'il sera confronté aux mêmes réalités gouvernementales de gestion. Parce qu'il sera obligé de se fier à ses alliés, il sera obligé de demander des quotas à gauche et à droite. Et tu ne peux pas prendre que ce qu'on te donne. Même si tu sais que ce profil-là ne m'arrange pas dans mon gouvernement ou ne m'arrange pas dans telle institution, tu vas faire avec parce que c'était l'accord. On t'aide, on est avec toi, on te soutient quand tu seras présent, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Soit c'est signé, soit c'est un accord de principe, un accord de principe. Et ça aussi, ça fausse les choses, ça fausse les choses. Oui, Amadou Alpha, c'est ce que je disais. Merci, non au cumul, parce qu'on ne peut pas l'accepter de qui que ce soit ou bien de tout bord que ce soit. Donc, il faut que le choix des alliés soit fixé sur des principes, soit fixé sur des visions communes, soit fixé sur des idéologies, soit fixé sur des objectifs à
à atteindre, mais pas parce que nous avons le même intérêt, combattre un camp. Si c'est le pouvoir, oui, ils sont tous ensemble pour gérer le pouvoir, ils sont tous ensemble pour pérenniser le pouvoir. Si c'est l'opposition, ils sont tous ensemble pour combattre Macky Sall. C'est pas ça le principe de la politique. Il faut qu'on revoie la pratique politique sénégalaise. Vraiment, c'est très dense et il faut y revoir. Oui, des coalitions, mais sur quelle base? Oui, des alliés, mais sur quelle base? Ça, c'est important. Et si cette question n'est pas réglée, le futur président aussi aura beaucoup de problèmes à gérer, le gouvernement à gérer, le pays, parce qu'il sera toujours confronté à des choix un peu compliqués. Donc, c'était ça le troisième point. Maintenant, on va au quatrième point. Le sommet des Nations Unies, ça veut dire l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, on a vu hier l'allocution du président Macky Sall, le président de la République Macky Sall. Nous avons aussi, oui, en même temps, président en exercice de l'Union africaine. Il est dans son rôle, il est dans son devoir et on ne peut que se réjouir de cette posture d'être l'avocat de l'Afrique. Oui, c'est bon qu'il ait à rappeler à l'Assemblée générale des Nations unies que le contexte mondial est un contexte très délicat où l'insécurité règne, où le péril est là, le péril sanitaire, où il y a tellement de choses à faire. C'est important qu'il le rappelle. C'est important aussi de rappeler le problème de la sécurité de la zone ouest. C'est bon aussi de rappeler le problème israélo-palestinien, mais le plus important, c'est de faire comprendre à l'Occident que les choses ont changé. Merci le président de porter cette voix de l'Afrique, mais on veut que ce discours-là soit beaucoup plus conséquent, soit beaucoup plus rationaliste. C'est bien quand vous demandez un siège au Conseil de sécurité, parce et un siège aussi au G20, parce qu'on ne peut pas comprendre. Là où on décide de la politique mondiale, des grandes décisions à prendre pour le monde, dans cette instance-là, qu'il n'y ait pas une place pour l'Afrique. Les pays africains sont là-bas sous forme d'invitation le plus souvent, en fonction des affinités ou bien en fonction des contextes actuels. L'Afrique ne peut plus se permettre d'être comme ça, laissé en rade. Parce que c'est dommage que les Nations Unies fonctionnent toujours comme fonctionnait la SDN, la Société des Nations. C'est le même principe. C'est juste les formes qu'on essaie de changer. Mais le fond reste le même. C'est une organisation des alliés qui sont là pour gérer leurs intérêts. Moi, c'est comme ça que je vois les Nations Unies, malheureusement. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe en Asie, tout ce qui se passe en Afrique, on ne les ressent pas. L'Afrique ne fait même pas partie de leurs priorités. On a vu quand il y a eu la guerre avec l'Ukraine et Russie, comment le monde international occidental s'est fait montrer. Juste pour épargner l'un des leurs. Et s'il s'agit de l'Afrique, on peut nous tuer, on peut exterminer tout un pays, ils sont là juste à faire des déclarations, à faire des sorties. Ou bien à nous envoyer le ministre, qui le plus souvent on sait qui est là-bas. Il est temps que l'Afrique se fasse respecter. Mais c'est bon de demander le respect, mais c'est à nous d'imposer ce respect-là. Oui, président Macky Sall, nous voulons que l'Afrique soit respectée. Mais nous n'allons pas demander, c'est à nous de faire comprendre aux autres du monde qu'ils doivent nous respecter. À commencer comment? Par toujours les attitudes de nos présidents. On a vu ce qui s'est passé avec le Mali. Un État souverain qui veut s'occuper de sa propre destinée, qui veut se prendre en considération, qui veut se prendre en charge, qui veut rompre avec la tutelle française. Qu'est-ce que ces pères africains ont fait? À commencer par nous, le Sénégal. Embargo! Le CEDEAO a fait un embargo. Est-ce que c'est de ça qu'on attend, non, si on veut se faire respecter? On peut se battre à l'interne. Quand je dis se battre, ça veut dire ne pas être d'accord, mais faire notre linge, laver notre linge sale en famille.
Mais sur l'aspect international, on doit faire bloc. Mais si la sous-région, la CEDEAO, ne peut pas faire bloc pour soutenir le Mali dans cette situation difficile, comment on peut demander à l'Assemblée nationale des Nations unies que l'Afrique attende de vous plus de respect et plus d'accords équitables, plus les inégalités, de diminuer les inégalités? C'est nous-mêmes qui faisons que ces inégalités persistent. Le corona nous a montré que chacun est capable de s'en sortir seul. La crise sanitaire là a fait comprendre au monde que chaque pays, que chaque peuple, que chaque continent qui le veut a les moyens de s'en sortir. C'est juste de la génie, c'est juste de l'intelligence. Nous, on a tout. Qu'est-ce qui est plus grave que, même pour exploiter nos ressources, on a besoin de leurs accords. Tu vas avoir du gaz, tu vas avoir du pétrole, tu vas avoir de l'or, tu peux, mais tu as besoin d'eux pour pouvoir en bénéficier en tant que toi-même qui es détenteur de ces potentielles richesses-là. Mais dans quel monde sommes-nous? Est-ce qu'on va toujours être là à chercher à garder ces rapports d'amicalité, ces rapports de cordialité, ces rapports de civilité avec eux? Parce que quelle est notre place aux Nations Unies? Quelle est la place de l'Afrique au Conseil de sécurité? Où est la place de l'Afrique dans le G20 où on dit les plus grands du monde? Ils sont grands comment? Quand la France fait partie de ça, là, quelle est la force de la France? Il y a des pays là, tu les vois là-bas, quelle est leur force pour être présents là-bas? Alors que c'est nous, Africains, qui faisons la force de ces pays-là. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous entraider pour être une force nous-mêmes? Et nous faire respecter comment parler comme pour tout le monde. C'est bon d'avoir le courage d'aller tenir ce discours-là. Mais aussi c'est bon d'inviter vos pères africains à réfléchir ensemble à comment l'Afrique va se faire respecter. Et à commencer par refuser l'aide ou bien le financement de l'Union européenne au niveau de l'UE. Ça, c'est déjà un bon départ. Dorénavant, dites à l'UE, non, merci, nous n'avons plus besoin de votre financement. À partir de maintenant, c'est nous-mêmes qui allons nous autofinancer. Dites à Israël, on n'a plus besoin de vous aux Nations Unies, à l'Unité africaine, à l'Union africaine. On peut s'en sortir seul. On a les moyens, on a le capital humain qu'il faut. C'est juste la volonté et la vision qui nous manquent. Oui, au Conseil des Nations, on prend la parole pour nous faire comprendre. Mais après ou avant ces prises de parole, nous devons tenir des actes concrets dans ce sens-là. Que l'Afrique soit respectée, que l'Afrique ait sa place dans le Conseil des Nations. Si on nous donne ça, c'est bon. Si on ne nous donne pas, on fait en sorte qu'ils soient obligés de nous considérer. Quand on dit la guerre et ses conséquences, quelles conséquences la guerre ukrainienne peut avoir en Afrique si on est ensemble? Trouvons au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine, trouvons des mécanismes pour que les pays qui ont certaines denrées de nécessité pourront en vendre à d'autres, qu'on n'ait plus à aller jusque là-bas pour en prendre. Parce qu'il y a le Nigeria, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a le Burkina, il y a le Congo, quoi qu'on puisse dire. Il y a Centrafrique, il y a le Gabon, tous ces 55 États africains-là, chacun a quelque chose à pouvoir apporter aux autres. Même si la crise est difficile, il suffit de se mettre autour d'une table, de convoquer une session extraordinaire, de se dire que voilà l'urgence du moment. Le monde est comme ça, la crise est comme ça, nous Africains, comment on va faire pour en sortir ensemble? Comment on va faire que celui qui a plus de blé puisse en vendre aux autres? Comment on va faire que celui qui a plus de maïs puisse en vendre aux autres? Comment on va faire que celui qui a plus de riz puisse en vendre aux autres? C'est possible entre Africains. Pensons comme ça. Allons dans ce sens-là et montrer aux autres que on peut s'entraider entre Africains. Parce que l'Occidental le fait, hein?
L'Europe se fait, le fait entre eux avant de penser à nous. Nous aussi, arrêtons de penser à eux, à ce qu'ils peuvent nous apporter et pensons comment nous, entre nous, on peut s'appuyer mutuellement. C'est ça, hein? C'est ça, parce qu'aller là-bas parler, parler, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas la première fois ces discours-là. Et rien ne change. Et la question sécuritaire, c'est une question capitale pour la zone. On ne peut pas être là. On voit le Nord qui vaut ce qu'il devient après, année par année. Et qu'est-ce que fait la Nation Unie, les Nations Unies? Qu'est-ce que fait l'OTAN? Qu'est-ce que fait l'Union africaine? On est là à regarder la situation dérivée, à regarder les atrocités au quotidien, à voir cette situation de calamité humaine. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? C'est comme si ça les arrange comme ça. On voit ce qui se passe en Centrafrique. On voit ce qui se passe au Burundi. On voit ce qui se passe dernièrement ici au Mali. On voit ce qui se passe en Burkina. On voit ce qui se passe en Guinée-Conakry. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons concrètement, nous, Africains? Est-ce qu'on se plaît à voir notre frère, notre peuple frère, souffrir, vivre des atrocités comme ça? On est là à se dire que ça ne nous regarde pas. C'est là le danger de l'Afrique. Tant qu'on pense que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe à l'eau, ça veut dire que nous n'avons rien compris des contextes géopolitiques internationaux. Pour se faire respecter par l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale des Nations unies, pour se faire respecter par le Conseil de sécurité, pour se faire respecter par le G20, c'est par nos comportements. Pensons à nous d'abord avant eux. Aimons-nous d'abord avant eux. Nous aimons plus les autres que nous-mêmes, c'est dommage. Dis-toi que mon pétrole là, je l'ai, je l'exploite, tu vois parmi tes compères africains qui peuvent t'aider à exploiter ton pétrole. Avec des pourcentages relatifs. Et le gaz, même chose. L'or, la même chose. Et on va voir, on a l'agriculture qui est les secteurs primaires de la majorité des pays africains. Comment combiner nos énergies, faire des synergies d'action pour avoir des industries agronomes fortes qui peuvent servir toute l'Afrique, où on n'aura besoin de Kembané, ni de céréales, ni autre chose. L'électricité, on a tellement de mécanismes pour ça. Le gaz. Donc ça dépend juste de la volonté africaine. À aller là-bas, à l'Union africaine, à convoquer une assemblée extraordinaire, à dire aux paysans africains, prenons notre destin en main. Il n'est plus temps d'attendre rien de l'Europe. Il n'est plus question d'attendre rien des Nations Unies. Regardons dans le contexte actuel, qu'est-ce que nous pouvons faire entre nous. Et que ça soit sincère, qu'il y ait une charte à ratifier pour tous les 55 États. Que chacun puisse voir ce qu'il peut apporter à l'autre et ensemble qu'on grandisse. Et ensemble qu'on se respecte pour être respecté. C'est ça mon avis par rapport à cette Assemblée générale. Et aussi, veillez à ce qui va se passer le 24. Après demain, le 24, c'est dans combien de jours encore? Pour voir que le cas, l'avenir du Mali aussi va se jouer là-bas. Il faut savoir que le problème du Mali devient beaucoup plus inquiétant parce que seulement, ils ne veulent pas laisser le Mali gérer comme ils le souhaitent. Et aujourd'hui, ça devait être le cas du Sénégal. Le Sénégal pouvait être dans le même cas et vouloir dire que, à partir d'aujourd'hui, je prends ma destinée en main. Et ça devait être le cas de chaque pays africain, de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, je prends ma destinée en main. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ça? Il faut aussi que, je ne parle pas, hein, que tous les Africains, parce que c'est plus une question de pays, c'est une question africaine. On ne va pas accepter que le Mali se fasse humilier aux Nations Unies. On ne va pas accepter que le Mali puisse être inquiété aux Nations Unies et on ne va pas accepter que le Mali soit condamné d'une manière ou d'une autre aux Nations Unies. Donc, il faut faire un appel à tous les Africains, surtout les paysans africains, d'être solidaires. Parce que aussi, n'oublions pas que la solidarité était africaine. Ne sacrifions pas l'un des nôtres.
Ne laissons pas les autres sacrifier l'un des nôtres. Mais si nous ne sommes pas d'accord sur le principe ou bien le comment, nous devons veiller à soutenir le paysan Goïta. Parce qu'il mérite le soutien de toute l'Afrique et tous les paysans africains de tous bords doivent pouvoir montrer leur soutien à Goïta. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas un problème entre deux États. Hein. Ce n'est pas un problème entre le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et le Mali. Si la Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle a fait là, et que la Côte d'Ivoire persiste dans son truc là, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Ce n'est pas un problème, et nous ne l'aurons pas. Ce n'est pas un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est un problème africain avec l'international occidental. Si on laisse le Mali se sacrifier, si on laisse Goïta subir des injustices internationales sans rien dire, nous serons indignes. Donc tous les Africains doivent faire bloc commun pour soutenir Goïta et montrer notre solidarité à lui. Parce qu'il est dans son droit, il est dans son territoire, il est dans son pays et son peuple est avec lui. Il est temps que les Africains cessent ces comportements indignes que nous n'en avons pas. Se désolidariser de certaines causes, hein, vendre les nôtres. Là, on en a assez, c'est plus le moment. Et tout président qui va vendre un autre paysan africain, tu vas avoir affaire à toute l'Afrique. Ça, on ne va plus accepter ça. Que tous les Africains et tous les paysans africains prennent force parce que Goïta est dans son droit. S'il y a un différent entre deux États, on pouvait le régler en Afrique avec nous les Africains. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est à tort dans cette question-là. Maintenant, vouloir dépasser les frontières africaines, aller régler ça aux Nations Unies, c'est qu'on est dans autre chose, sauf de la justice. Et on verra, on aura les yeux là-dessus, et on verra sur ça, parce qu'on ne va pas l'accepter que le Mali soit l'agneau sacrifié. Parce que ce qui sera fait au Mali, si on laisse passer, ça veut dire que ça va, cet élan de souveraineté-là va être déclin. Ça veut dire qu'ils veulent juste en finir avec ce climat anti-français-là. Et ça ne va pas marcher. Ce que Mali a commencé là, nous autres, on va terminer ça. Il faut que ça soit sûr et certain. C'était ça que je voulais dire sur la question de cette Assemblée nationale, de cette Assemblée générale des Nations Unies. Maintenant, je vais au dernier point, qui est le fait de parler de la nécessité d'une force africaine pour sécuriser le continent. Parce qu'on a vu l'interview du président de la Guinée-Bissau, qui est actuellement celui de la CEDEAO. Oui, il a parlé de la nécessité d'avoir une force anti-putschiste pour la zone CEDEAO. Une force anti-putschiste pour la zone CEDEAO. Oui, ça veut dire que le problème des putschistes inquiète la sous-région. Mais il faut se poser la question. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups d'État-là? Parce qu'on ne va pas être toujours là. Chaque chose a une cause. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ces coups d'État-là? Oui, peut-être une force est une solution. Mais la vraie solution, c'est de voir quelle est la cause et de corriger à partir de là-bas. À chaque fois qu'il y a coup d'État, ça veut dire qu'il y a eu un régime qui a abusé. À chaque fois qu'il y a eu coup d'État, il y a un régime qui a voulu faire forcing avec un troisième mandat ou un régime qui dictatorial qui abusait de son pouvoir. Et c'est dans ces conditions-là où l'insécurité est là, où les populations ne sont plus sécurisées, où il y a un forcing international inconstitutionnel, c'est dans ces conditions-là qu'il y a forcing. S'il veut remédier à cette possibilité qu'il n'y ait plus de coup d'État en Afrique, surtout dans la zone ouest. Parce que maintenant, c'est une question qui est récurrente dans la zone ouest. Maintenant, de temps en temps, on s'attend à ça. Donc, s'il veut qu'il n'y ait plus de coup d'État dans la zone ouest, il faut parler au président de la CEDEAO. Tous les pays qui sont membres de la CEDEAO, là, il faut faire comprendre à leur président que le pouvoir appartient au peuple. Que seul le peuple est souverain, que seul le peuple peut incarner sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Si le peuple te fait confiance une fois, si le peuple te fait confiance deux fois, c'est fini. Parce que les constitutions ont montré que maintenant,
Deux mandats, c'est bon. Tout président qui tripatouille sa constitution pour avoir un troisième mandat est dans l'illégalité. Tout président qui fait un forcing pour continuer sur la tête d'un État est dans l'illégalité. Et dans cette condition-là, l'armée peut agir. Il faut faire comprendre au président de la CEDEAO dorénavant de respecter les chartes constitutionnelles de leur pays, de ne plus essayer de jouer avec la constitution de leur pays, de plus essayer d'être des dictateurs, de plus essayer de ne pas accéder, de ne pas octroyer la liberté à leur population, d'arrêter les injustices judiciaires, d'arrêter les injustices sociale, parce que là c'est beaucoup plus compliqué. On peut dire parfois que peut-être qu'il y a des politiques qui peuvent agir ou pas, mais les injustices, de faire en sorte que la liberté d'opinion, la liberté de parole, toutes ces choses-là, il faut laisser les gens s'exprimer librement, il faut laisser les gens donner leur opinion, il faut aussi laisser les gens nourrir leurs convictions. Et laisser à chaque citoyen de chaque peuple la liberté de pouvoir défendre ses convictions. Et ne pas incriminer les gens juste parce qu'ils sont des politiques. Ne pas emprisonner des gens juste parce qu'ils ont des ambitions politiques. Et respecter leurs conscience. Si les paysans font ça, il n'y aura plus de problème de coup d'État parce que les coups d'État se font juste parce qu'il y a des situations qui se traduisent comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, ce n'est pas une force anti-pushiste. Ce qu'il faut à l'Afrique, c'est une force africaine pour sécuriser nos territoires. On a besoin d'une force africaine pour sécuriser nos territoires. On a vu le terrorisme, ce que le terrorisme a fait au Mali. Si le Mali a connu des coups d'État comme ça, parce qu'il y avait une insécurité qui était là. Repensons à Toumani Touré, quand on faisait le coup d'État à Toumani Touré. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Parce que c'était le terrorisme qui avait pris du terrain jusqu'à ce qu'une bonne partie du Mali ne se sente plus malien, se sente resté en rade. Et ça a frustré, ça a amené à ce coup d'État-là. Et jusqu'à présent, les terroristes sont en train de décimer les peuples de certaines zones. Regardez le Niger. Qu'est-ce que le terrorisme a fait au Niger? Regardez le Burkina. Où chaque, tu passes une semaine sans voir dans les informations qu'un village a été attaqué, une église a été attaquée, un mosquée a été attaqué, des villageois civils ont été attaqués juste parce que des gens sont des terroristes, ils sont là à mener la pagaille, à mener le désordre, à terroriser les gens. Et qu'est-ce qu'on veut que nous soyons dans cette situation-là? Au lieu de penser à une force africaine qui serait là à sécuriser, on nous parle d'OTAN, on nous parle de MINUSMA, on nous parle de la force Barkhane. Le problème du Mali, c'est ça. Dire aux Français de quitter, la force française de quitter, ils refusent de quitter. Et là, les Nations Unies nous disent pas, vous là, quittez leur territoire s'ils ne veulent plus de nous. Ils sont en train de jouer avec l'avenir de nos peuples. Donc le problème, c'est ça. Il faut une force africaine pour nous sécuriser. Parce que certes, nous savons qu'en Afrique, on a des armées. L'armée tchadienne fait partie des meilleures armées. L'armée libyenne était une bonne armée avant ce qui s'est passé avec Kadhafi. Donc, on a des armées qui sont là. Qu'est-ce qui nous empêche que l'Union africaine, sous la présence du président Macky Sall, puisse mettre sur pied une force africaine pour sécuriser le Sahara d'abord? Parce que la préoccupation première actuellement, c'est le Sahara, le Congo aussi. Le centre, l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest. Ces deux zones stratégiques qui demandent sécurité. Donc pour ça, on a besoin d'une force africaine. Mais pas d'une force anti-pushiste. S'ils ne veulent plus de coup d'État, ils n'ont qu'à respecter les constitutions. S'ils ne veulent plus de coup d'État, ils n'ont qu'à respecter la démocratie, l'état de droit avec tout ce qui va avec. S'il y a ça, il n'y aura plus de coup d'État. Sécurisez vos peuples. Faites respecter les droits de tout un chacun et qu'il y ait égalité, égale dignité devant les lois et qu'on laisse les opposants s'exprimer comme ils veulent. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une force africaine qui va combattre le terrorisme, qui va faire
reculer le terrain et qui va faire partir les bases françaises et américaines de notre territoire. On ne va pas vouloir se dire indépendant, on ne va pas vouloir se dire autonome, tant qu'il y a des militaires qui sont là, sur nos terres. L'armée française est implantée un peu partout en Afrique. L'armée américaine, c'est la même chose. C'est quelle sécurité ça? S'ils veulent une sécurité, ils n'ont qu'à avoir une force africaine qui sera l'alternative de toute cette base, de toute cette base implantée en Afrique. Et ensemble d'éradiquer le terrorisme, ensemble de combattre certaines rébellions qui n'ont pas raison d'être, et ensemble sécuriser l'Afrique. C'est ça qu'on attend de vous. Pas des push, pas des forces pour des coups d'État. Non, on n'a pas besoin de ça. Les coups d'État, vous pouvez les régler en parlant au président qui respecte les institutions de leur pays, qui respecte surtout la constitution de leur pays et qui respecte les individus. Mais ce dont on a besoin, c'est une force africaine qui va prendre en charge la sécurité, la stabilité du pays, surtout la zone Sahara et la zone centre. Et ainsi seulement, on pourra parler d'une Afrique forte. C'était ça mon live de ce mercredi. C'est un peu long, mais en fait, j'avais regroupé certains points. Hier, je devais faire un live par rapport au premier point, mais je n'ai pas eu par problème de temps. C'est pourquoi j'ai tenu à les associer pour en parler aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous dis merci et je vous remercie aussi. Et je vous souhaite une bonne journée. Parce que là, il est déjà midi, hein? Donc, il est déjà 14h. Donc, bon après-midi. Je vous souhaite un bon après-midi. Et je vous dis bye bye. À la prochaine.